Bienvenue dans la bulle aventurière, suivez-moi. Donc comme vous voyez, vous avez un lit, un petit espace pour prendre le petit déjeuner, se détendre en amoureux, une salle de bain avec une douche, un lavabo et des toilettes sèches, et le tout dans une bulle. Tout le confort douillet d'une chambre d'hôtel, mais en pleine forêt, dans un cocon transparent. D'ici, nous pouvons observer des chevreuils, des fouines et autres animaux sauvages. Et la nuit, la voie lactée, les étoiles, et c'est assez magique d'être à la fois dedans et dehors en même temps, dans un lit au chaud, quoi. Au chaud et à l'abri des regards, promet Henri Schildt, personne ne viendra vous observer. De retour, après plusieurs années passées à l'étranger, ce couple d'architectes décide de se reconvertir en 2018, sa nouvelle profession, propriétaire d'hébergements insolites. À l'époque, des bulles poussent déjà un peu partout dans le monde. Pourtant, les époux vont solliciter 32 communes avant de trouver un terrain favorable ici à Najac. L'Aveyron nous a un peu ouvert les bras par ce terrain. J'ai même monté une deuxième structure dans le Lot de bulles, tellement voilà, c'est autre chose. Ici, on nous demande de venir pour créer ce genre de projet et partir faire découvrir la nature, mais en même temps voilà, s'implanter pour un projet éco-responsable. 200 clients ont tenté l'expérience depuis avril. Le prix de la nuitée correspond à celui d'un hôtel 4 étoiles pour s'endormir en regardant les astres.